tour. Donc voilà, il est en position filtration. La vanne est en position filtration. Là, tout de suite, je vais procéder au nettoyage du filtre à sable de marque Triton. Hein. Et donc, voilà, je mets en position nettoyage du filtre à sable. Hein. Et ce que je vais faire, je vais fermer l'escalibur. Voilà, pour avoir une force dans. Là, notre balai est fermé. Dans la bande de fond. Donc, les trois Skimmers, je les ferme. Et là, dans le refoulement, voilà, ici. Donc, comme vous voyez au fond, je vais mettre en marche et vous allez voir l'eau circuler. Et je vais commencer à mettre l'égout en marche. Hop, je tourne la vanne égout pour extraire. Allez, on démarre. Regardez ce qui se passe. Vous allez voir ici. Voilà, regardez, vous voyez les feuilles en surface? Vous voyez, regardez les feuilles, au fur et à mesure, elles se mettent sur la paroi. Attends, je vais éteindre mon lumière. Regarde, regarde, on voit bien. Voilà. 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 Vous voyez, ça c'est la récolte de au bout d'une heure. De nettoyage du filtre à sable. Vous voyez, c'est ce que j'ai récolté ici dans le filtre de la pompe. Voilà. Et quelques bulles. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment nettoyer. Donc, j'éteins. J'éteins, je ferme l'égout. Je ferme le refoulement. Et je ferme la pompe de fond. Hop. Bon, ici, j'ouvre. Caméraman. Bon, évidemment, il y a de l'eau qui coule. Hein. Voilà. Et voilà ma récolte. Ma récolte de tout de suite, là, au bout de 5 minutes, même pas. Une minute de fonctionnement. Voilà, je fais comme ça. Voilà, je mets la main dedans pour voir s'il n'y a pas trop de déchets. Hein. Voilà, donc j'en mets le. Je nettoie bien. Vous voyez tout ce que j'ai récolté, hein? C'était de ce matin. Donc les feuilles, ben, on est entouré d'arbustes. Automatiquement, voilà. Vous mettez bien dans le sens, hein, opposé. Voilà, et j'en remets bien le joint. Vérifie que le joint se trouve bien au fond de la gorge du verre transparent de couvercle. Voilà, et vous faites un mouvement circulaire vers. Bon, là, vous changez votre position, vous le mettez sur filtration et vous ouvrez les vannes de refoulement et de pompe de fond. Hop, voilà, on sent le. Voilà. L'escalibur. Et vous ouvrez ici un seul Skimmer. Et hop, un Skimmer, le gauche et le droit. Le troisième, laissez-le. Et on revient en fonction. Et donc, ce que vous voyez, c'est qu'il y a un peu d'air. Bon, chose normale. Hein. Voilà. Il est revenu. Voilà. Au fur et à mesure, l'air va s'éteindre. Va s'éliminer. Vous voyez l'eau? Regardez, regardez. Les bulles s'en vont. Donc, elle est auto-amorçante, cette pompe. Vous voyez, il y a un peu de. Il y a un dépôt. Voilà. Là, en position filtration, filtre à sable. Et vous jouez sur le. Sur votre barre. Sur le code barre. Donc, faites attention, hein. Là, nous sommes sur 0 kg. Vous voyez? Vous voyez? Vous faites ça jusqu'à que la pression d'air ici, vous avez du liquide. Voilà. Hop, vous fermez. Et quand vous n'avez plus de bulles à l'intérieur de votre système, eh ben vous. C'est que vous êtes pas mal. Là, on est pas mal hein, au niveau filtration. Hein. Regardez les bulles. Voilà. On n'est pas trop mal. Hein. Un petit peu d'air encore. Regardez au niveau du filtre, la pompe d'amorçage et l'auto-amorçante. Hein. Donc c'est bien ces moteurs-là. Donc c'est de la marque Corman. C'est. Voilà. Là, je vous montre le moteur que j'ai. Donc c'est un 22 mètres cubes heure. Vous voyez? 1100 watts. Corman.
Et comme vous le voyez, c'est pas trop... c'est assez silencieux, 78 décibels. Hein, au poids morsant. Voilà, excellente journée à vous. À plus tard.